Gaëtan Mouvrou, 22 ans, 6 fois champion de France, un titre européen et comme objectif de devenir le meilleur joueur du monde. Le geste parfait au bowling, c'est un geste qui est très très dur à exécuter parce qu'il demande beaucoup 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 de travail. Et en fait, souvent les gens ont le début mais n'ont pas la fin. Ou ils ont le mouvement de poignet mais en fait le jeu du début n'est pas bon. Ce qui fait que le mouvement de poignet n'est pas bon. En fait, pour être un très bon joueur de bowling, il faut additionner un physique pour pouvoir tenir l'endurance, une connaissance tactique, une connaissance technique pour pouvoir répéter les choses et faire des choses différentes, et aussi, et qui est très important, une gestion mentale. La caractéristique, c'est qu'on a un balancier donc, qui va faire à peu près ça. Et en fait, le but, c'est de revenir la main derrière la boule pour pouvoir la faire rouler vers l'avant. En fait, il ne faut pas lancer la boule. Souvent, les gens, ils viennent, ils lancent comme à la pétanque. Il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est un moyen de se bloquer les doigts dans la boule ou d'envoyer la boule au plafond ou faire des choses qui ne sont pas bonnes. Le geste parfait, c'est ouvrir les épaules comme ça et de laisser passer la boule en dessous le corps pour pouvoir faire le bon lâcher, avoir la main derrière la boule et la faire rouler en gros. Lâcher de boule parfait au bowling devient entre le moment où la glisse se termine. Donc ça veut dire qu'on va en fait le dernier pas est glisser. Donc au moment où on arrête de glisser, la boule doit être au niveau de notre pied et doit être jouée. L'impact de la boule doit se faire le plus silencieusement possible. En fait, le geste parfait inclut plein de choses. Nombre de pas, position de corps, la main, et après des maîtrises de paramètres, la vitesse, les rotations, la profondeur de pose, à quelle distance on va poser la boule, le matériel, les surfaces sur les boules, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent après dans le geste parfait. Il faut l'entretenir souvent, donc toutes les semaines, à très haut niveau, il faut y aller avec des petites choses de base, des petites bases techniques, de faire deux pas, trois pas. La prise de la boule, elle se passe comme ça, on met le majeur, l'annulaire, et le pouce. Notre sport, on peut comparer ça au golf, où on est vraiment dans la souplesse et à un moment donné, en fait, on va juste mettre ce petit coup d'accélération qui va faire qu'on va mieux envoyer la boule, mais qui en fait n'envoie pas des boules rapides. Le joueur de bowling va être plus souvent dans le relâchement, plus souvent dans la répétition et ne pas envoyer très fort, mais être plus précis, entre guillemets. Alors qu'un joueur lambda, il va venir, il va vouloir envoyer fort vers la première quille et vouloir faire strike, alors que c'est pas du tout ça. Vaut mieux être plus fluide et être plus soft avec la vitesse pour être plus précis qu'envoyer fort pour que ça soit plus dur. D'où le sport d'adresse qu'on est.